C'est bon, c'est bon. De théâtre, non? Ouais, un petit peu. Ouais. C'est trop propre. Il faut que ça guérisse un peu, je trouve. Thank you.
revenons sur nos pas, le dos tourné à la vallée. Nous voyons de nouveau la file des guitounes sous des branches des quetschiers, les tiges d'osier rouges aux feuilles grelottantes. Droit devant nous, plus loin vers l'est, un escarpement boisé borne le regard de sa touffeur violette. Nous le reconnaissons et nous prenons un hocher de la tête. Tu te rappelles le 19 octobre, la grimpette à travers les fourrés. Et la nuit, un vieux, la nuit. Regardant le bois abrupt, nous évoquons le ravin qu'il nous cache. Les cendres qui dégringolent vers le bas fond suintant, l'argile visqueuse sous les feuilles mortes, les parapets de boue accrochés à mi-pente, la pénombre glauque des fourrés, les ténèbres monstrueuses qui chaque soir nous emprisonnent pour l'interminable nuit. Le jour, nous ne voyons rien que le fouillis des buissons, la colonnade des hêtres au-dessus et des lambeaux de ciel à travers des branches hautes. Nous nous affaissions sous le poids de l'ennui. De longues somnolences nous abrutissaient. Le fracas des obus qui tombaient derrière nous ne nous faisait même plus lever la tête. N'eût été cette pesanteur d'ennui qui jamais ne s'allégeait, nous eussions perdu la conscience de notre propre vie.